avec les expulsés. Avec les expulsés. Sans. Moi, je m'appelle Rachel, je suis une habitante du quartier de Lannoy à Montreuil. En fait, je viens par solidarité pour aider les familles qui ont été expulsées d'un premier lieu de leur immeuble et d'un second lieu du gymnase qu'on leur avait prêté. Et quelle est la situation exacte aujourd'hui? La situation actuelle, c'est que donc, on leur a prêté un gymnase, la municipalité leur a prêté un gymnase et il s'avère que ils sont venus les déloger avec les CRS. Et là, les familles sont dispatchées dans le 77, dans le 92 et dans le 91. À savoir qu'il y a quand même 10 personnes qui restent à la rue sans un hébergement. Et à l'heure actuelle, il y a 6 détenus qui sont au centre de rétention à Roissy. Et là, on manifeste aujourd'hui pour leur libération, en fait. Et si jamais ils sont, c'est demain qu'on les juge, si jamais ils sont jugés que c'est défavorable, ils seront expulsés vers leur pays d'origine. C'est ce qui est, en principe, c'est ce qu'ils devraient être s'ils sont jugés ou pas. Mais nous, on est là pour se battre parce qu'ils n'ont rien fait de mal. C'est des honnêtes gens qui travaillent, qui payent un loyer, qui se sont fait abuser tout simplement. Quelle est la situation précise de leurs enfants qui sont scolarisés dans la ville de Montreuil? Donc leurs enfants, ils sont scolarisés pour la plupart sur la Noue, on va dire à Montreuil, Julio Curie et Jean Jaurès. Et là, les enfants, ils sont dispatchés donc, pour Brétigny-sur-Orge, Allogne-Perrier, super loin en fait. Et les enfants, ils reprennent l'école lundi en fait. Mais ils vont devoir se débrouiller. Ils ont été confiés à des familles ou comment ça se passe? Ils sont hébergés dans des hôtels sociaux en fait. Et là, ils ont une date butoir jusqu'au 12 novembre pour la plupart des gens en fait. Et on leur a dit qu'ils seraient dans l'hôtel pour une durée indéterminée. Et là, la plupart des hôtels disent que c'est jusqu'au 12 novembre renouvelable en fait. Et qu'est-ce que la municipalité, quel est le rôle de la municipalité et des autres élus de la commune face à cette situation? Les élus, on va dire que c'est à six mois des élections, les élus montrent leur tête que quand il le faut, mais là, à cette heure-ci, il n'y a personne pour nous aider. Ils leur ont proposé certes des logements, mais super loin. Et ils devaient les aider, ils doivent récupérer des affaires qu'on ne peut pas encore récupérer. Et pour moi, la municipalité ne fait pas grand-chose. Et je trouve ça quand même coûteux. Un jour de la période hivernale, de déloger des gens.